On va donc tous se tenir debout là où nous sommes. Nous allons passer un temps dans la prière. Mais avant, je voudrais que chacun d'entre nous, nous puissions faire quelque chose de bien. Dans Jean 19, 30, il est écrit « Tout est accompli ». C'est-à-dire que pour toi et pour moi, nous croyons que Jésus a tout accompli. Nous allons prophétiquement, quel que soit l'état dans lequel nous nous trouvons, rendre grâce à Dieu. Quand nous croyons que sa parole est vraie, ses promesses sont oui, amen. Nous allons rendre grâce à Dieu pour le prix que Jésus a payé à la croix. Élève tes deux mains vers le Saint-Trône de Dieu et dis merci au Seigneur. Merci pour la rédemption. Merci pour le prix payé. Merci pour le salut. Élève ta voix, rends grâce à Dieu. Merci pour la délivrance. Merci. Père, je veux te rendre grâce pour ce prix glorieux, extraordinaire, puissant que tu as payé à la croix. Père, je veux te dire merci, car tu as dit, tout est accompli. Mon âme célèbre ta bonté, mon âme célèbre ton nom. Mon cœur te loue, éternel Dieu tout-puissant. Je viens devant ton trône te bénir, car tu as déjà, pour moi, pour mes frères, mes sœurs, éternel du monde entier, payé le prix le plus important pour notre rédemption et notre marche dans la pleine liberté et la jouissance éternelle d'une vie de gloire dans le nom suprême de Jésus. Que ton nom soit glorifié, que l'honneur et la gloire te soient donnés. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci, éternel. Nous te rendons grâce. Nous célébrons ta bonté au nom suprême de Jésus. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, la vie que nous menons est d'abord spirituelle. Dis après moi, la vie est spirituelle. Donc elle n'est ni intellectuelle, ni économique, ni politique, ni scientifique. Elle est d'abord spirituelle. Donc nous savons que les choses spirituelles gouvernent les choses naturelles. Et celui qui a le contrôle du surnaturel règne dans le naturel. Cependant, beaucoup de croyants prient, mais n'arrivent pas au résultat adéquat parce que ces croyants prient mal. Dans 2 Timothée 2, verset 5, il est écrit « L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. » Donc même la vie de prière obéit à des règles. Quelqu'un dit après moi « règles ». Le royaume des cieux est un royaume de règles. Quelqu'un dit encore « règles ». Et l'une des interrogations premières que j'ai eues dans la maison de Dieu après ma conversion, c'était de voir des gens faire de nuit de prière et d'avoir des vies minables après. Je n'arrivais pas à comprendre. Comment on peut prier tant et avoir un impact aussi insignifiant, alors que la prière du juste est d'une grande efficacité. Cependant, dans Jacques 4, verset 3, il est écrit, « Vous demandez et vous ne recevez pas, ouais, parce que vous demandez mal. » Donc, il est important de savoir bien demander. L'impact dans la prière, ce n'est pas le nombre d'heures dans la prière, mais c'est le protocole avec lequel je prie. Donc la prière requiert de la sagesse, de l'intelligence. Donc il faut prier en parfaite adéquation et accord avec les règles de prière. C'est important. Donc on ne prie pas pour satisfaire ses propres passions et ses propres convoitises. Alors si vous voyez des gens, voyez, qui prient, mais ils ne voient pas de résultats parce que ces personnes prient mal. Donc nous allons prier, mais pas mal. Nous allons prier dans le but pas de satisfaire nos passions, mais d'amener sur terre le règne de Dieu. D'abord dans nos vies, dans nos familles et dans nos nations. Donne-moi ton meilleur des amen. Dis encore amen. Regardez ce texte de Deutéronome 28, verset 13. Le diable est un menteur. Non, 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 dis encore. Après moi, le diable est un menteur. Et je dis bien, tout mensonge évident dans ta vie sera ce soir corrigé, rectifié. Ta manière de dire amen m'embête. Nous allons changer tout mensonge en vérité. Donc nous allons établir dans ta vie ce que la parole de Dieu dit. Deutéronome 28, verset 13. Regardez la première partie. L'Éternel fera de toi la tête. On a dit quoi? La tête. On a dit quoi? La tête. Et non la queue. Il dit tu ne seras jamais en bas. Tu seras toujours en haut, mais jamais en bas. La Bible a dit toujours. Ça veut dire que dans le plan de Dieu, une fois que tu es monté à une hauteur, tu ne descends plus. Je suis en train de prophétiser sur ta vie que cela est ton partage au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Répète après moi, je ne descendrai pas. Ta
croire à la parole de Dieu déclare, je serai toujours en haut et jamais en bas. Je serai la tête et non la queue. C'est pourquoi j'affirme sur ma vie que être la tête est une promesse infaillible de Dieu dans son alliance avec moi. Oui, réussir est une promesse de mon alliance. Et échouer ne fait pas partie de mon alliance. Je révoque toute pensée d'échec. Je décrète, je déclare et j'établis, je réussirai. Je modifie ma perception, mon regard sur ma personne vis-à-vis de la réussite et de la hauteur. Je déclare le succès est mon partage. Les places élevées sont miennes selon l'alliance que j'ai avec Dieu. Au nom suprême de Jésus, amen, amen et amen. Acclame encore le Seigneur. Acclame-le très fort. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, la Bible dit tout dans la maison de Dieu s'écrit gloire. Inclus-toi. Ta manière de dire amen m'embête. Je suis en train de dire inclus-toi. Là, je ne suis pas en train de mettre un vœu. Je suis en train de faire une affirmation de vérité. Donc, cette simple phrase est capable de contrecarrer beaucoup de projections de l'enfer. Parce que tu es dans le royaume des cieux. La gloire de Dieu est ton partage. Dans ton corps, au niveau de ta santé, dans tes finances, dans ta maison, dans ta famille, dans tes projets, je déclare la gloire au nom suprême de Jésus. Donne-moi trois bons amen. Cependant, nous sommes juste au goûter. On n'a pas encore commencé à prier. En fait, notre but aujourd'hui, c'est de contrecarrer les limitations. C'est-à-dire, le diable nous a imposé une barrière qu'on ne doit pas franchir. Nous allons dire à Satan qui n'est pas notre maître. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Satan ne tiendra pas ta vie en laisse. Tu n'es pas le chien de Satan pour qu'il te balade. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Quelqu'un dise encore amen. Donc si Satan a pris l'emprise sur ta vie, il va lâcher l'emprise. Ton amen m'embête. Tu as peut-être prié seul à la maison et il n'a pas écouté. Mais je viens te dire que là nous sommes en accord. En accord avec ton frère, en accord avec ton pasteur, en accord avec l'autel. Satan n'a pas de choix que de laisser lâcher prise. Amen. Aucune barrière invisible, aucune restriction, aucun embargo satanique ne pourra tenir sur ma vie. Déclare-le. Aucune limitation, aucune restriction, aucun embargo satanique ne pourra tenir contre ma vie dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Encore règle. Pour que ça marche, il faut pour ce soir juste deux énoncés. Premièrement, t'assurer que c'est au nom de Jésus que tes prières sont adressées. Il n'y a pas de question de dire, Père, je prie au nom de Papa Wafou. Ça ne marche pas ainsi. Au ciel, ce genre de requêtes ne sont pas exaucées. Donc, quelle que soit ta tante, que ce soit tante Jacqueline ou maman, Marie ou n'importe qui, ça ne marche pas. Donc, il faut que ce soit dans le nom de Jésus. Et bien, dans le nom de Jésus. C'est très important, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Jean 16, verset 23-24. Regardez ça. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera. Qui a dit ça? Jésus. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera. En mon nom. C'est pas ce qu'il a dit? Oui. Demandez en quel nom? Jésus. Au nom de qui? Jésus. Au nom de qui? Jésus. Faites attention aux mensonges de la religion. Au nom de qui? Jésus est plus puissant que sa mère. Jésus. Au nom de qui? Jésus. Je vous dis la vérité, Jésus est plus puissant que sa mère. Jésus. Au nom de qui? Jésus.
Jésus est plus puissant que ses prophètes. Au nom de qui? Jésus. Jésus est mort, mais il est vivant. Au nom de qui? Jésus. Ah, très bien. Donc ça, c'est le premier protocole ce soir. Engagez le nom de Jésus dans le combat. Quand vous allez prononcer ce nom ce soir, vous allez enrober dans la prononciation la conscience de la défaite de Satan et de tout ce qui a pris place dans la région inférieure. Les clés qui ont été arrachées, les clés qui te sont données, les positions qui sont tiennes. Quand tu diras Jésus, quelque chose de terrible va se passer. Et de deux, ne sois pas comme la fille qui prie et qui se soucie de son rouge à lèvres. Hey, oh, personne n'est là pour regarder ton make-up. Si le Saint-Esprit te met à cœur de te mettre à genoux, de te coucher, couche-toi. Faut pas, là, il n'y a plus d'élégance dans la prière. On est dans le protocole des personnes qui sont en train de briser. Est-ce que quelqu'un comprend? Ah ouais, tu demandes des excuses à ton voisin. Parce que là, c'est le prière. Non, c'est le protocole de la prière. Ce n'est pas une affaire d'élégance. Personne ne te regarde. Il ne faut pas être distrait par ta chair. Mets ta chair de côté. Nous parlons de prière. Tu vas gémir. Parce que Dieu ne regarde pas simplement à ta parole, mais il regarde à la détermination intérieure, au cri de l'âme. Ce que tu veux, c'est ce que je veux voir. Le genre de prière que Jésus a faite. Il a prié jusqu'à ce que sa sueur s'est changée en chant. Il y a des cultes, quand je ne peux pas, c'est des cris de Ayatabatoya. Est-ce que quelqu'un comprend? Et je prie un moment, je sens une autre dimension. C'est-à-dire, en ce moment précis, Satan en face de moi, je le. Tout de suite, parce que tu as une autre dimension. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas seulement répéter avec la tête. Il faut engager ton cœur dans la prière. Ça, c'est le deuxième protocole. Et quelque chose d'extraordinaire est sur le point d'arriver. Dis à ton voisin, quelque chose d'extraordinaire est sur le point de m'arriver. Encore. Alléluia. Amen. Amen. Comme Anne, elle avait tellement envie de ce qu'elle voulait voir que même le sacrificateur a cru qu'elle était ivre. Vous comprenez, c'est là cette dimension où le ciel est obligé. Vous obligez le ciel par la détermination de votre prière. C'est ce qu'on appelle la prière fervente du juste. Une grande efficacité. Ce n'est pas les froides prières, froides prières, élégantes des francophones, intellectuellement, spirituellement, intellectuellement bon, mais spirituellement nul. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas la beauté des phrases. C'est ton cœur qui gémit et qui parle devant Dieu. Ça, c'est le code, le type de prière qui change et qui font pousser les barrières. Quand dans ton âme, tu dis, je ne peux plus accepter. Assez, c'est assez. On doit progresser, ça doit avancer. Je n'accepte plus que cette situation continue de me causer problème. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donne-moi le meilleur des amen. Dis encore amen. Avant qu'on ait pris, je voudrais dire à quelqu'un, il y a des choses que tu n'obtiendras pas si tu ne payes pas ce prix que Dieu exige. Ah ouais, tu ne payes pas ce prix. Tu n'es pas prêt à prier 3 heures pour ta propre vie. Et puis tu veux atteindre un certain niveau. Comment tu vas faire? Impossible. On te demande de prendre 3 jours et fermer ton téléphone, t'enfermer dans une chambre, tu n'es pas prêt. Et puis tu veux percer. Tu vas percer comment? Tu ne peux pas. Impossible. Oublie. Les hommes passent devant toi, ils tournent, ils s'en vont, ils tournent, ils s'en vont, ils tournent, ils s'en vont. Et puis tu dis, je ne comprends pas. Tu ne comprends pas quoi? Quand le Saint-Esprit dit, prie, tu ne pries pas. Tu penses que c'est le make-up. C'est quel make-up? Tu n'as pas vu les femmes sans rouge à lèvres qui sont mariées? Toi, tu es la plus belle, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Il faut aller déconnecter, décadenasser, relâcher, casser les barrières. Entrer en ce composant de ce que le Seigneur a pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Frères et sœurs, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Satan ne peut pas et ne doit pas continuer de perturber ta vie. Ça doit s'arrêter. Dis encore amen. Maintenant, on va prier, on va prier. Dis, je dois prier. Non, déclare-le encore. Maintenant, lève ta main vers le ciel. Lève ta main vers le ciel. On va prier. Répète après moi ces paroles. Je crois de tout mon cœur que le Dieu que je sers
Le Dieu qui est mon Père est vivant et est capable d'agir encore ces jours-ci dans cette génération. J'en suis la preuve car il m'a délivré des ténèbres vers la lumière. Il m'a adopté dans la glorieuse famille de Dieu. Il m'a donné le souverain pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Ma main droite levée vers le ciel, à toute fin utile, je rappelle que pour moi, il n'y a aucune condamnation, car je suis en Christ Jésus. Et la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je suis libre, je le crois, et c'est pourquoi je parle. Et je sais qu'il est écrit qu'ils l'ont vaincu. Je l'ai vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de mon témoignage. En parlant, j'ai conscience de l'action angélique, de la puissance relâchée des anges qui parcourent la terre, qui montent vers le ciel, qui décantent les situations. Car l'armée de Dieu est en marche au service des saints au nom suprême de Jésus. J'annonce dans le nom suprême de Jésus qu'à partir de maintenant, ma vie s'établit de façon radicale dans la dimension de la liberté, de la victoire, de la paix, de la joie, du succès à tous égards, au nom suprême de Jésus. Je parle et je dis, quelles que soient les formes d'infirmité dans ma vie, qu'ils soient spirituelles ou physiques, de naissance ou avec le temps, j'annonce dès maintenant que Jésus, délivre-moi. Jésus, je crie à toi. Au nom suprême de Jésus, j'appelle à la délivrance, à la délivrance, à la délivrance. Je déclare que ma place est en haut. Je n'accepte plus ces limitations imposées par l'enfer. Je déclare, la parole de Dieu est vraie. Dieu prend l'indigent et le pauvre de la boue pour le faire asseoir avec les rois et les grands à leur table. J'occupe la place qui est mienne par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, amen, amen et amen. Écoutez, juste en 2 ou 3 minutes, je vous donne une autre exhortation pour la continuation de la prière. Il y avait un homme qui était paralysé de naissance. Et cet homme est un homme qui avait compris le protocole divin de la prière. Il voulait arriver à la réunion, et la réunion, il est arrivé. D'abord, il ne pouvait pas marcher parce qu'il était paralysé. Mais cet homme en voulait. Cet homme voulait que les choses changent. Il n'était pas complaisant, il s'est dit non, assez, c'est assez, ça doit changer. Il ne pouvait pas marcher, mais il pouvait se faire porter. Voyez-vous, donc il a décidé de convaincre les gens de l'amener à la réunion. Quand ils sont arrivés à la réunion, il a décidé, il a dit, perce le toit et mettez-moi sous le regard de Jésus. Cette nuit, tu es en train de placer ton problème sous le regard de Jésus. Il n'a pas dit, je vais assister à la réunion. Il a dit, je veux être devant Jésus. Lève ta main vers le ciel et dis, Jésus, c'est devant toi que je viens présenter ma vie. Oh Dieu, délivre-moi. J'ai longtemps souffert.
Laisse-moi voir ta gloire. Relâche tes pouvoirs sur ma vie. Oh Dieu, relâche, 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 relâche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Alors, quand il est arrivé devant Jésus, Jésus lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. Alors tout le monde a commencé à murmurer, oh, 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 ce qui se présentait. Et il a dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, a-t-il ordonné aux paralytiques, lève-toi, prends ton lit et marche. Donc il a établi clairement le lien entre les mots que nous avons et le péché. Et donc s'il a paru pour ôter le péché du monde, les mots de nos vies deviennent illégitimes. Parce que le péché a été la porte d'entrée, mais il a ôté les péchés du monde. Donc tous les mots que tu peux subir aujourd'hui sont illégitimes. Donc je voudrais te demander, lève-toi, prends ton lit et marche. Non, quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Lève-toi, prends ton lit et marche. Le problème, c'est qu'il y a des personnes à qui Jésus dira ça et ils vont dire, Jésus, viens m'aider à me lever. Non, Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Dis, je me lève, je prends mon lit et je marche. Encore. Une dernière fois. Que cela soit ton partage. Que cela soit ta portion. Amen. Regardez Ésaïe 41, verset 22. Ésaïe 41, verset 21. Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Donc nous allons continuer de prier sur la base d'une plaidoirie simple. Il a pris notre place. Ce n'est pas un long débat. Ah, nous sommes coupables, c'est vrai. Mais sauf qu'il a pris notre place. Nous allons nous cacher derrière Jésus en disant qu'il a pris notre place. Et nous allons occuper la sienne. Car le trône de Jésus ne doit pas rester vacant. Il est ton trône. Il t'appartient. Tu dois t'asseoir dessus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Tu vas dormir la nuit. Et puis à 3h du matin, tu te lèves, tu dis le trône ne doit pas rester vacant. La parole là va te soulever du lit. Et tu vas aller t'asseoir sur le fauteuil de la prospérité. Assois sur le fauteuil du mariage. Assois sur le fauteuil de ce qui était tien dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Quelqu'un dise encore amen. Que quelqu'un dise mon partage. Dis-le encore. Lève ta main droite vers le ciel. Mon Père et mon Dieu. Au nom suprême de Jésus. Je viens plaider ma cause. Devant ton trône, je déclare comme moyen de défense que Jésus a pris ma place et son sacrifice a été accepté comme légal. Sa résurrection d'entre les morts en est l'évidence absolue. C'est pourquoi je clame de tout mon cœur la jouissance des bénéfices de la justice d'en haut à mon égard. J'appelle par la puissance souveraine de Dieu le miracle de la démonstration de ma liberté et la jouissance de mes avoirs. Oui, toute forme de malédiction, d'imprécation, d'enchantement, de sort, de réclamation, agissant contre ma vie, celle de ma famille, est illégale au nom suprême de Jésus. Je me tiens à la brèche comme étant ambassadeur de Dieu et gouverneur spirituel de ma famille. Je parle contre toutes les réclamations sataniques et diaboliques. Toutes les alliances mensongères
dans lesquelles mon père ou mes pères ont engagé la famille. Je me déconnecte. Je me déconnecte. Je me déconnecte. Je me déconnecte. Je dis feu, 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 feu sur ces alliances. Car maintenant règne la justice de la croix. Oui, je suis porté par les anges de Dieu et mes regards sont sur la personne de Jésus. Ma victoire n'est pas contestable. Tout ce qui était un blocage dans ma vie, dans ma famille, dans mes affaires, dans mes projets, disparaissent maintenant. Disparaissent maintenant par la puissance suprême du nom de Jésus. Du nom de Jésus. Toutes les ordonnances prises à ma défaveur par l'enfer, je déclare que c'est un mensonge. Car Jésus a souverainement détruit l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Satan, tu es un menteur. J'annonce donc, je suis une personne libre, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, libre de l'oppression, de la maladie, de la pauvreté. Oui, je suis libre des complots occultes, sataniques, libre maintenant, dans le nom suprême de Jésus. Oui, ma vie, écoute bien ça, ma vie défrait la chronique. Car mon standard d'excellence et de réussite sont l'objet d'étonnement, de surprise et d'études de la part de ceux qui sont rationnels. Ma vie défrait la chronique dans ma génération. C'est mon partage, c'est ma portion, au nom suprême de Jésus. Amen trois fois. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame-le fort. Acclame-le fort. Je voulais te dire, à toi qui es ici et connecté à l'autel, que cette phrase que j'ai citée, ma vie défrait la chronique. J'étais en train d'entrer au parking ce soir. J'entends le Saint-Esprit me dire, tu diras, ma vie défrait la chronique. C'est-à-dire, au premier palier dans ta propre famille, ton père, ta mère et tes frères vont tenir un conseil de famille parce que ta vie défrait la chronique. Après, ce sera dans le quartier parce que ta vie défrait la chronique. Et dans ton village, les gens diront, mais c'est pas croyable ce qui arrive à ce gars parce que ta vie défrait la chronique. Ça va aller de palier en palier jusqu'à ce que la télévision nationale viendra faire un reportage sur toi parce que ta vie défrait la chronique. Cela est ton partage et ta portion. Dis, je le reçois. Déclare-le encore. Mets ta main sur ta tête. Amen, je veux parler et puis tu redis amen après moi. Ah, répète après moi. Je reçois la puissance et la force du Saint-Esprit pour toujours me maintenir dans les hauteurs. Et je refuse toute alternative d'abandon de la course. Non. 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 Et non. Et non. J'annonce par la puissance de Dieu. Comme Pierre. Jamais. Jamais. Je ne vais retourner à la barque du monde. Non. 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 Je réussis. Pas pour échouer. Déclare-le encore. Encore. Alors j'annonce que les liens et les réclamations sur moi, ma famille, sont nuls et nul effet
au nom suprême de Jésus, je déclare que ma vie est légalement immunisée contre les syndromes de la réclamation diabolique. Je brise les barrières imposées et je déclare, je passe à un autre niveau. J'annonce que toute action satanique prônant la maladie, la pauvreté, l'échec, la stagnation, la rétrogradation sont brisés au nom suprême de Jésus. Donne-moi trois bons amen. Acclame encore le Seigneur. Frère, ce n'est pas un temps de prière juste pour meubler le temps à l'église. C'est ce qu'on appelle prier prophétiquement. Tu vas voir toi-même les évidences. Ce sont des prières qui dérangent l'enfer. Ou un sorcier de ton village t'appelle pour te demander, mais tu pries où? Qui est ton pasteur? C'est-à-dire, en fait, les gens commencent à vouloir se réconcilier avec toi. Parce que quiconque a engagé ton nom quelque part, je suis en train de le dire en vertu des pouvoirs que le ciel m'a souverainement conféré, qu'après cette prière, le retour vers l'Esprit du Temps est engagé. Je décrète, déclare et établis qu'ils avaient conçu la honte contre ta vie. Mais ta vie décrète la chronique. Elle défrait la chronique. Car personne n'a jamais échappé à ça. Et tu es la première personne. Même dans ton village, les sorciers se mettent ensemble pour dire reconnaissant qu'il y a quelque chose de bizarre et d'étrange sur la vie de cette personne. Ton Dieu est grand et le monde le saura. Et le monde le verra dans le nom suprême de Jésus. Pendant que je parle, une puissance surnaturelle infuse ton être de la tête aux pieds. Tu es rempli, tu es chargé, tu pèses d'une gloire particulière par la puissance du Saint-Esprit au nom suprême de Jésus. Et un mécanisme divin est mis en place pour te rendre à même de produire des résultats que ton intelligence n'avait pas été capable d'imaginer. C'est ça ton partage et ta portion. Tu commenceras à avoir des pensées nouvelles, des idées nouvelles, des réflexions nouvelles, une perception nouvelle. Et automatiquement, systématiquement et mathématiquement, les personnes qui t'entourent vont se rendre compte que tu n'es plus la même personne. De l'intérieur, tu auras changé car la sémence de la gloire est en toi. Mais le deuxième palier du changement, ce sont tes plumages qui changent. Avant, tu ressemblais à un hibou. Tu avais les plumes d'un hibou. Mais soudainement, il y a une métamorphose. Tu es transformé en aigle. Tu prends de l'envol, tu as une autre dimension. Dieu t'amène à un autre niveau. Personne ne doutera de la capacité de Dieu de faire des choses particulières. Dans le nom suprême de Jésus. À partir de ce jour, quel que soit ce qu'on lance, attaque contre toi, se change en témoignage. Ta manière de dire « Amen » m'embête. Donne-moi un meilleur « Amen » dans ta maison. Je dis, quelles que soient les attaques sataniques contre ta vie, cela se tourne en témoignage. Aucun complot de tes amis ne réussira à provoquer la défaveur. Ce n'est pas possible, ça n'arrivera pas, ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas dans le nom suprême de Jésus. Écoute-moi bien de la part du Seigneur. Tout ce qu'il t'a confié à faire et que tu le fais avec diligence, réussira. L'échec n'est pas compté et ne fait pas partie de ton histoire. La réussite est ta portion. Non seulement tu réussiras, mais tu iras de palier en palier de réussite. Après chaque succès, Dieu t'infuse. Dieu t'infuse une capacité nouvelle te permettant d'aller à de plus grands succès. Après avoir terrassé le lion, tu vas terrasser l'ours. Ta manière de dire « Amen » m'embête. Dis encore « Amen ». S'il y a un combat entre toi et l'ours, ceux qui ont parié sur l'ours comme étant vainqueur perdront la mise. Parce que l'ours tombera sous ton pouvoir. Ceux qui ont parié sur le lion vont perdre. Mais après le lion et l'ours, quand tout le monde n'est pas là, tu affronteras ton Goliath.
Tu susciteras pour ta génération des chants de joie, des chants de paix, des chants de bonheur, des chants de délivrance. Tel est ton partage et ta portion. Je vois une métamorphose divine prendre place à l'intérieur de toi, prendre place à l'intérieur de ta vie. Je vois un changement radical par le Saint-Esprit s'opérer à l'intérieur. Que cela soit ton partage et ta portion. Reçois-le au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Je suis allé chez mon coiffeur aujourd'hui juste pour refaire ma raie. Et donc je discutais parce qu'une question m'a été posée par la gestionnaire de l'endroit. Je lui ai dit, allez à l'église. Ce n'est pas un moyen d'échapper aux difficultés de la vie. Mais c'est le processus par lequel Dieu nous infuse d'un potentiel unique pour à retourner dans le monde, affronter les situations de la vie et les soumettre. Je déclare sur ta vie, tu diras aux situations couchées et ils vont se coucher. Ta manière de dire amen m'embête. Tu diras couchées, ils vont se coucher. Ce n'est qu'une saison. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu diras couchées, ils vont se coucher. Parce que c'est toi le maître. Ta manière de dire amen m'embête, c'est toi le maître. Dis encore amen, c'est toi le maître. Et je lui ai dit, Dieu a conçu un nouveau prototype d'humain que les scientifiques ne sont pas capables à même d'expliquer parce qu'ils n'ont pas accès à la connaissance de ce que ce type d'humain est. Ce genre d'humain est plus dangereux que les extraterrestres, que la fiction nous fait découvrir. C'est des êtres qui émanent de l'intelligence élevée de Dieu et capables des exploits qui ne sont pas scientifiquement démontrables. Ils brisent tout ce que la science a conçu comme limitation imposée à l'homme. Il révèle le divin. C'est ce prototype d'homme, à ce prototype d'homme que j'appartiens et que tout croyant appartient. C'est ce qui se passe effectivement. Et donc, on m'a demandé, mais comment faire donc pour changer cette image qu'on peut avoir de nous-mêmes? J'ai dit, déclare-le simplement. Et il y a des choses dont on n'a pas besoin de comprendre, on a juste besoin de croire. Et plus tu vas le déclarer, plus tu vas le croire, plus tu vas le voir. Tu me demandes comment ça, je ne sais pas. Celui qui t'a donné 18, tu vas en philosophie. Tu l'as donné 18 sur 20 parce qu'il aimait ton style. Quelqu'un d'autre en philo pouvait te donner 5 sur 20. C'était une question aléatoire. Mais quand je parle de la dimension de la puissance qui est en toi, ce n'est plus aléatoire. Les évidences de ta vie amènent toutes les personnes qui sont tout autour. Le jury constitué pour noter tes performances. Chacun dit, il n'y a pas de note pour lui parce qu'il dépasse 20 sur 20. Que Dieu bénisse sa vie. Que Dieu bénisse son être. Donne-moi le meilleur des amens. Quelqu'un dise encore amen. Dis encore amen. Hallelujah. Amen. Amen. Frère. Ouais, mais vous savez quoi? Il faut juste être courageux, sinon il n'y a rien. Tout va bien. Dieu attend simplement ton audace. Le gars paralysé qui venait, tout le monde a dit, toi là, tu es en train d'embêter les gens ici à la réunion. Mais il savait ce qu'il voulait. Dans la vie, c'est ça, frère. Qu'il faut savoir ce que tu veux et avoir le courage de tes convictions. On l'a jeté par le toit. D'autres se moquaient, mais quand il s'est levé, on a consigné son histoire dans la Bible. Parce qu'il était en audacieux. Il ne faut pas rester là, t'asseoir et puis attendre que les choses meilleures arrivent au ciel. Et si ça a trop tardé, fais descendre le ciel. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dis Dieu, je vais aller au ciel, mais s'il te plaît, laisse-moi voir un peu de ce ciel. Amen. Et que mes enfants voient un peu de ce ciel là-bas. Hey. Que ceux qui croient, comme mon ami Paul David, taka, 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 taka. Là, c'est sa piche. Que quelqu'un dise, je crois. Ah, ah. Mais que quelqu'un me dise, je crois. Yes. Déclare-le, je crois. Je serai un Dieu vivant, je crois.
à lui rien n'est impossible. Je crois. Il est capable de plein de mystères. Je crois. Je suis un instrument entre ses mains. Je crois. Ah, il m'a destiné pour la tête. Je crois. Ah, je ne suis jamais en bas. Je crois. Je suis toujours en haut. Je crois. Ah, le goût de ça. Je crois. Quelqu'un batte les mains. Je crois. Quelqu'un batte les mains. Je crois. Ah, quelqu'un batte les mains. Je crois. Oui, que quelqu'un batte les mains. Je crois. Tu n'es pas venu sur la terre accompagné des autres. Crois-tu? Je crois. Ah non. Est-ce que tu crois vraiment? Je crois. Ah, Jésus ne choue jamais. Crois-tu? Un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Je crois. Tu n'es pas un chiffon. C'est pas vrai. Je crois. Une référence éternelle dans ta génération. Je crois. Ah, déclare, je crois. Je crois. Confesse-le, je crois. Je crois. Annonce-le, je crois. Je crois. Des bonnes choses sont en train d'arriver dans ta vie. Dis encore, je crois. Je crois. Que quelqu'un qui croit dit je crois. Dieu t'a exaucé. Ah, est-ce que tu crois vraiment qu'il t'a exaucé? Ah, si tu crois, pas les mêmes, pas les mêmes, pas les mêmes, pas les mêmes. Ah. Continue d'acclamer Jésus. Continue d'affirmer je crois. Ah, il le fera dans ta vie, j'en suis sûr. Il accomplira, j'en suis sûr. Il achèvera l'œuvre qu'il a commencée. Les ennemis sont dans la confusion. Le Dieu que tu sers est simplement puissant. Ah, déclare-le, je crois. C'est terminé, les choses ont changé. Cet ami de Dieu t'a exaucé. Tu n'es plus la même personne. Ah. Ta vie va t'effrayer la chronique. Les experts viendront utiliser tes résultats. On ne comprendra pas trop bien ce qui t'arrive. D'autres personnes diront il a touché à la magie. D'autres diront non, mais c'est la sorcellerie. Mais toi tu diras c'est Jésus le racheté. C'est lui qui m'a mis à part et qui m'a donné son pouvoir. Ils sont nombreux, nombreux, nombreux qui vont te poursuivre à l'église pour devenir croyants. Ah, confesse-le, je crois, je crois. Ah ouais, 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 ouais. Je crois. Trop fort. Le dernier couplet. Il faut bien que le pasteur s'arrête. Allez, vas-y. Il faut bien que le pasteur s'arrête. Car il doit enseigner la parole tout de suite. Quelqu'un dise, je crois. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Parce qu'il vit, prépare ton cœur, nous allons avoir, il va être juste 30 minutes de parole. Je n'ai rien à craindre.